Midday in the city Cambridge roundabout in the northwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Balingua newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yamo, good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un calme précaire règne à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, en ce lundi, est déclarée ville morte par des séparatistes anglophones. Et déjà ce week-end, l'armée a donc annoncé avoir donc neutraliser un leader séparatiste, Fonte alias Magdo, puisqu'il s'agit de lui, était recherché depuis plusieurs jours. Il est présenté comme étant l'assassin de l'inspecteur de police Bikoylen, abattu le 1er septembre dernier lors d'une attaque des séparatistes anglophones à Bamenda. Il est également l'auteur accusé d'être de plusieurs meurtres et assassinats dans la région du nord-ouest Cameroun. Il est également présenté comme celui qui avait mené l'opération de braquage dans la microfinance à Bamenda il y a un mois. Et cette même nuit, il s'apprêtait également à attaquer une patrouille de la police lorsqu'il a été pris de revers. Au cours de l'opération, donc, ayant permis de neutraliser Fontaine, les éléments de les forces de défense ont également saisi un arsenal de guerre, parmi lesquels deux boîtes de chargeurs garnies, 5 cartes nationales d'identité, 124 munitions et un pistolet automatique chargé. Écoutons à présent cette réaction du général Cavalère, commandant de la 5e région militaire interarmée, qui revient donc sur l'intervention ayant permis l'arrestation de Fontaine. Suivons à présent cette réaction du général Cavalère au micro d'Equinox Télévision. C'est un embat terroriste de renom, nommé M. Fonte, alias Madoc, qui a eu à exécuter, à assassiner plusieurs personnels des forces de défense et de sécurité, des civils, hommes, femmes, enfants. On parlait de plus d'une centaine depuis plusieurs années. Donc, les forces de défense et de sécurité, le commando spécial a donc mené une action de ciblage pour pouvoir le neutraliser. Et j'ai saisi cette occasion pour adresser à l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans le théâtre 5 les félicitations appuyées de la hiérarchie du haut commandement pour la manière dont ils conduisent l'opération ici à Emergence 5 dans notre zone de responsabilité. Et le gouvernement camerounais a également marqué son indignation après le meurtre de l'inspecteur de police Bikoylen, abattu, je vous le disais, le 1er septembre dernier, en plein centre-ville de Bamenda, dans la région du nord-ouest. Dans un communiqué, le ministre de la Communication dénonce un acte barbare d'une cruauté inqualifiable. René Emmanuel Sadi a également adressé les condoléances du chef de l'État Paul Biya à la famille de Bikoylen. Et toujours dans le chaudron de la crise anglophone, opération coup de filet dans le nord-ouest. La gendarmerie nationale a donc mis la main sur des individus présentés comme étant des séparatistes. Selon la Légion de gendarmerie, ces jeunes sèment la terreur entre les villes du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Tout autre chose à présent, rendons-nous au village Singbe, dans le groupement Bafo, département de la Menoir, région de l'Ouest Cameroun. Attention, des mères vives là-bas. Une pôle association d'un chef est au cœur d'une polémique. Quelques jours seulement après l'arrestation du nouveau chef, une autre faction contestataire est revenue au devant de la scène pour dénoncer une usurpation de pouvoir. Elle accuse également les pouvoirs publics d'être à l'origine de cette déstabilisation dans le processus de désignation du nouveau chef du village. Le point dans ce reportage de l'Éclair Saquet. Le temps. Combien de temps faudra-t-il encore pour tirer au clair cette affaire qui, depuis des décennies, maintient en permanence dans les tensions et la division les populations du village de Tsingbe, séféré du troisième degré dans le groupement Bafou, département de la Minoua. La guerre de succession au trône de cette chefferie qui a considérablement détérioré le climat social ces dernières années, poussant les deux factions à faire des révélations à ce sujet. Quelques jours après la désignation de nouveaux chefs, suite au décès de
Sa Majesté Kenago Robert, la faction du docteur Métamo David revient à la charge et dit sa part de vérité. On se retrouve dans un cas de figure où un chef, en mourant, a laissé son successeur parmi ses enfants, il avait des enfants garçons, a laissé un successeur qui n'avait que 5 ans. Mais les autres, les notables et les autres de la famille, au lieu d'élever l'enfant jusqu'à sa maturité et lui redonner la chefferie, on s'est retrouvé dans un système de régence dans lequel un premier régent a gardé pendant que l'enfant grandissait, et cet enfant c'est mon grand-père, Métamo Daniel. Un deuxième régent a gardé aussi, un troisième, et voilà la mort du troisième en 55. C'est là donc que l'intrigue entre la problématique de la chefferie de Sylvain, on se retrouve dans un conflit. Depuis 1955, les deux parties entraînées devant les tribunaux, le litige avec de temps à autre des moments saillants de rebondissement. Parce que je crois que le sang qui coule dans ses veines est rattaché à des concepts et des principes qui sont des principes ancestraux. Et ces principes ancestraux doivent être fondés sur la justice, la protection, l'équité. Je ne discute pas de quelque chose avec quelqu'un. Je suis quelque chose. Au lendemain du décès du chef Kenago Robert en juillet dernier, la vacance à la tête de la chefferie a été le prétexte de relancer les débats. Une fois de plus, les autorités administratives, du sous-préfet de l'arrondissement de Corny au ministre de l'administration territoriale, passant par le préfet du département de la Minois, ont multiplié les correspondances à l'endroit de ce peuple tentant de faire la lumière sur la question avant toute cérémonie funéraire. Il avait à cet effet été demandé de sursoir l'organisation des obsèques. Des décisions qui n'ont cependant eu que peu d'effet au sein de la faction Kenago. Le préfet dit dans sa décision prise, 110 ans après, la succession du chef Kemvu n'est plus à l'ordre du jour, qui signifie n'est plus d'actualité. 110 ans après, alors lorsque le préfet le dit même, il a coupé 9 ans. Parce que le chef de Métang, dont la statue est à côté de moi, a fait 54 ans de règne, mort à 110 ans. Et Fontsembun Kenago Robert, qui vient de mourir, il meurt à 81 ans, ayant fait 65 ans de règne, an pour an. Les obsèques ont été organisées. Le successeur du chef Kenago a été présenté aux populations par le chef supérieur Bafou. Mais la polémique demeure. Et pour combien de temps encore? Affaire à suivre. On parle santé à présent. C'est une maladie congénitale qui se caractérise par une malformation des pieds de l'enfant. Le pied beau cause d'énormes dégâts lorsqu'il n'est pas détecté à temps. Et mis sur pied par le ministère de la Santé publique, un comité de pilotage vulgarise à Yaoundé la méthode de Ponseti pour soigner le pied beau. Le reportage de Aïs Cyril. Les anglo-saxons l'appellent clubfoot, mais en français, on parle de pied beau. Une maladie congénitale qui se caractérise par une malformation des pieds de l'enfant à la naissance. Les chiffres sur cette maladie au Cameroun sont non négligeables. On estime à peu près à 1000 cas par an. Sur les 1 million d'enfants qui naissent chaque jour au Cameroun, on estime qu'on a environ 1000 enfants. Et ces 1000 enfants jusqu'ici ne sont pas rattrapés. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez d'éducation sur la maladie. Beaucoup la considèrent comme une maladie rare. Pourtant, elle fait des ravages. Afin de faire circuler l'information sur le pied beau, le comité de pilotage, mis sur pied par le ministère de la Santé publique, a réuni quelques acteurs de la santé à Yaoundé. C'est pour les sensibiliser, il faut qu'ils soient sensibilisés sur cette condition. Il faut qu'ils en parlent dans leurs différentes unités sanitaires respectives pour que cette maladie sorte de l'ombre, qu'on la détecte plus tôt et qu'on la traite aussi plus tôt avec meilleure efficacité. Parce que dépister tard, elle est plus difficile à traiter. Le pied beau, selon les spécialistes, se soigne entre autres avec la méthode Ponseti. Elle consiste à administrer des plâtres à répétition sur les pieds de l'enfant. Le comité de pilotage réuni à Yaoundé voulait également vulgariser cette méthode. Il s'agit ici de vulgariser une technique qui a connu, qui a des résultats ailleurs, qui est appliquée par le monde, une méthode simple, économique, qui permet de prendre en charge les enfants. Dès le bas âge, avant 12 ans. Il s'agit de faire plusieurs plâtres répétées et pour essayer de régresser le pied de l'enfant. C'est vraiment une méthode qui est très répandue dans le monde, qui est efficace et qui ne coûte pas grand-chose aux parents de l'enfant. Un projet de 3 ans est mis sur pied pour implémenter la méthode Ponseti. CBC Health Center est le partenaire technique du gouvernement pour cette opération qui sera réalisée dans des cliniques témoins
à travers la formation du personnel soignant et la sensibilisation du grand public. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiyambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. A separatist general in the conflict-hit northwest region of Cameroon, Fontaine, popularly referred to as General Mad Dog, was killed on Saturday night by elements of the Rapid Intervention Battalion. His corpse was later deposited at the city camp's roundabout. Mustela tells us more from Bamenda. Here lies Fontaine, otherwise known as Ambazonian General Mad Dog, at Liberty Square in Bamenda. This Sunday morning, many who saw and recognized his remains also had bitter memories of the deceased. My first day was 14 days, I never ever go to any shop. I don't spend more than 17 million of my for the city and the new workers. Now I'm about to end the hand, so I'm not working with it. We are such a number in May. We have to take 5th July 2019. Now for me, I start shop. I watch, now I try to watch my good jewels. What is it, my name is on the hand, I will make it soon. I was from town. Climbing that hill, they call Watiki Hill, on a bike. He rushed again and halted the bike and, in fact, pulled me down and said, I did not die the other day. They will see how I will not die today. So I was just surprised to hear that he is dead. And I wanted to come and confirm and see the face that I've never taken note of. The soldiers who carried out the mission say, during a night operation, they came across Fonte, who had been declared wanted. While trying to flee, he was neutralized. Interpellé, on a pris sur lui une calage de boîte chargeur. On him was an AK-47, two magazine 94 ammunition for AK-47, two phones and a defensive grenade. This blue t-shirt on him is similar to what one of those who robbed a microfinance institution in Bamenda on August 21st, 2020 had on. The 5th Joint Military Region Commander, Brigadier General Carvalho, says it is one of the operations Fonte and his men carried out. That criminal, that terrorist, you know, has killed, they say, even more than 100 people, both men and women, children and members of defense and security forces. The last operation on that that credit union, it was carried out by him. You can see that, you know, the he's still there with the same t-shirt. After the killing of a police officer and other deaths by men with arms on a bike, motorbikes have been restricted in the commercial and administrative areas of the city of Bamenda. Some Ambazonian activists have since announced a ghost town to counter the administrative decision. The population has to stand up and say, enough is enough. They have to, you know, overcome the fear, because mostly it's fear. When they say ghost town, everybody just said they say ghost town, ghost town. We are all taking all the measures to make sure that Bamenda will be clean in the next future. Brigadier General Ekongwese Divine, commander of the 5th Gendarmerie Region, accompanied General Carvalho to City Chemist Runabout, congratulating the soldiers who took part in the operation last night and reassuring the population of their security. Bostella reporting from Bamenda, and elements of the 5th Gendarmerie Region in Bamenda have presented a group of 6 separatist fighters handed over to them by the population of Bato and Befang in the northwest region of Cameroon. Once more, Bostella files in details.
Gendarmes in Bamenda say they were handed these three boys by the population of Bato in Tinto subdivision some 3 weeks ago. This other set of three were handed to the forces by the population of Bifang in Wirikum subdivision of the Northwest region. They are there in two groups. So the first group was walking between Nomba, the border of Wirikum, and Wirikum itself. And the second group was kept there about 3 or 4 days ago. And they were brought to the village, almost with the collaboration of the population. In a video circulating on social media, purportedly filmed by soldier, a man surrounded by many people says they have been suffering a reason for their action. So we don't sleep, no peace. They keep maltreating us, but yet they say they are protecting us. So yesterday, one threatened one of our brothers with a gun, removed a knife, and so I rallied the villagers. He brought their commander to order. He talked maturely. But little did we know that these guys were nursing another village. So we told them to quit the village yesterday. But at night they mobilized, attacked one bar, Mr. Boniface, and the family. They ransacked, damaged everything that man's children must have invested. Then we started fishing them out from their hideout. So we took some 3 guns which we presented to you, and the search will continue. So if actually the struggle is going on, it should be going through diplomacy and not with their gunshot. The boys accept they were separatist fighters, but say they were forced into it. Commander Jumbosco, if Komo Kube Kambato, he can tell me say my journey at dinner. He thinks if I know Johnny will kill me, and if I run, he will kill my sister there. So now why don't I join me? I'll be the Dumila bakery for Mafia. So they will be coming for battle. They hold me, they send me there for town for Mafia. They communicate with me, they do all that kind of thing. So now so I don't come for village, me I'm going to join them. So me I'll be denied for join. They beat me so then they use knife for shoot me. When you see my hand, you will see bone for the way, the bone don't come off for outside. Me can show for now. The government of Cameroon had set up a center for the disarmament, demobilization and reintegration of ex-fighters of Boko Haram and the armed conflict in the northwest and southwest regions. According to the Northwest Legion commander, they will be brought before a military judge, given that they did not drop their arms but were forced to do so. And still in the context of the ongoing Anglophone crisis, ex-separatist fighters living in DDR centers in the southwest region of Cameroon have been drilled on innovative skills that will help them in future. This was after a training organized by the Southwest Regional Chief of Center for Scientific Research and Innovation. They are begging on the government to continue offering them such trainings in order to boost their morale. Details with Derek Jato from Boya. These selected members of the ex-separatist fighters invited from the Southwest Disarmament Center are feeling the taste of reintegration into the society. And we are promising you that as we are here, we are going to learn it. He is the spokesperson of these ex-separatist fighters, and they are part of the week-long activities ahead of the Day of Excellence for Scientific Research and Innovation for the Southwest region, organized by the Southwest Regional Center for Scientific Research and Innovation, with the theme in context with the surrounding realities. Scientific research and innovation in a crisis-stricken Southwest region. The eve witnessed the training of these ex-separatist fighters alongside other non-governmental organizations on mushroom farming, saying they have turned a new page. These ex-separatist fighters begged the Southwest Regional Chief for Scientific Research and Innovation to organize more of such platforms. We are still pleading on the Chief of Center that the initiative they have used for inviting us to partake in this program, we should continue with the initiative in bringing most of our brothers to continue attending this type of seminar, because it's going to bring more skills to us. Handing their certificate the next day, which was the D-Day, in the presence of Matthew Tofin Ndumbe, the head of Economic, Social and Cultural Division at the Southwest Governor's Office, who represented the Southwest Governor.
These ex-separatist fighters were also given the opportunity to visit the exhibition stands, a step into the journey of scientific and innovation world. Dr. Mafani George Teke, the Southwest Chief of Center for Scientific Research and Innovation, said one of the reasons that he brought these ex-separatist fighters at the center of this 2020 edition was for networking. It was an opportunity for them to interact with other members of the community, other people in society, and we believe that helped in the reintegration process because they were very happy and they expressed their satisfaction when they had the opportunity to interact on such a forum with other members of the community. These participants at this year's celebration showcased their output from agriculture to technological innovations, with these inventors showing their eagerness to transfer their knowledge even to the ex-separatist fighters for a better Cameroon. Derek Jato reporting from the southwest region of Cameroon. And away from the ongoing Anglophone crisis, a family of nine in Koto Naktigal, Pendamboko in the Mungu Division, Lithra region of Cameroon, recently took to the streets protesting against the expropriation of their land by the traditional ruler of that area. Innocent Aze tells us more. Armed with cutlasses and heavy planks, this furious-looking group of individuals in Koton Naktigal Quarter in Pendamboko, in the Mungu Division of the Litoral Region, are not leaving this 4 hectares piece of land about to be snatched from their brother by the current chief, Dipanda Eve, like in other cases, for his alleged egoistic interest. But for we who don't genocide, no, they don't enter for the papa plot because we chop there for inside and we want development for village because the papa there, so you don't say any picking for village, we want small house, if you give small place for them, maybe for some village get the development. Miss the Prime Minister category, c'est ici que la nourriture est sortie pour nourrir tous ses enfants. Il a no enfants. They are rich persons sent by Chief Dipanda Eve to clear the crops for construction of a football pitch for the quarter, whereas the late chief Onana had given a 2-hectare piece of land found 250 kilometers from this threatened portion of land, left this man and his 8 brothers and sisters by their late father, who had already sacrificed a portion of it for development's sake, being construction of a road leading to the created quarter market. Me are the representative for Koto Naktigal, who I don't make for yet 32 years. According to the chief's representative, there exists an order issued by the divisional officer authorizing Chief Dipanda Eve to exploit the 4-hectare piece of land for his football field project. So we want to go chapier this morning. Now the family for Julius, he talks about no chapier, and we leave him. And then me, like a representative, I call that chief. And then say that book where you don't talk, say come up for Dio, say Dio they're ready for send primary school for make a field. He asked that no one owns the disputed piece of land. Now land will be free. For inside Koto Naktigal, because man no get land for inside Koto Naktigal. Now inside the 250 where there for people the village, now you will take and develop village. We not take CDC land. Julius, the victim, claims he has seen no legal notification. Et je vais voir tous les documents. Si ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui a donné l'ordre pour un projet sur ce terrain. He is adamant. The land belongs to his family and can only let it go if the Ministry of Territorial Administration orders him to quit. Jusqu'à présent, je dis non à Monsieur Dipanda. According to the victim, he has been planning to construct a primary school on this 4-hectare piece of land for the community and in the long run, transform it into a college. Ça, c'est mon projet sur les 4 hectares. And that report compiled by Innocent Aze ends this edition of the Midday Balingua newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our program. Study on. Merci, Immaculate Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.